à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se mettre en cuisine et on va faire un banana bread aux pépites de chocolat. Alors je vais vous dire ce qu'il vous faudra et puis Tiffany elle va venir touiller la pâte. Donc elle prépare aussi avec moi. Alors ce qu'il vous faudra, ça sera 3 œufs, de la farine, une banane, des pépites de choco, j'en perds ma voix moi, de l'huile, du sucre. Il y a combien de bananes? Deux bananes. Deux bananes écrabouillées. Alors bonjour à tous. Alors on va commencer par déjà mélanger que je me trompe pas, les œufs. D'accord. Attends, je vais les casser si tu veux. Ouais. Voilà. On va déjà casser les œufs. Voilà. Ah, ah, maman! Mais ça, tu me pousses. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Je vais y mélanger. Ensuite, je vais venir rajouter mon huile. Moi, j'ai pris de l'huile de tournesol, mais si vous préférez, vous pouvez prendre la même quantité en beurre. Ensuite, je vais venir rajouter ma farine. Donc, je mets tout. Alors, encore un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter mes deux bananes que j'ai écrasées. Voilà. Voilà, je vais te débarrasser. Ensuite, je rajoute mes pépites de chocolat. Je mélange bien. Donc moi, j'ai mis que 50 g de pépites de chocolat, mais vous pouvez en mettre plus. C'est suivant les goûts au niveau du chocolat, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai bien mélangé toute ma préparation. Donc je vais venir la couler dans le moule à cake que j'ai fariné et beurré. Alors une fois qu'on en est là, je vais prendre ma banane. Donc je vais l'éplucher. Je vais en enlever la peau. Voilà. Un petit bout d'abîmé. Je vais retirer la partie abîmée. Hop. Et je vais venir couper ma banane dans le sens de sa longueur. Donc, tout doucement pour ne pas la casser ou éviter tout simplement de casser ma banane. Voilà. Et je vais venir la disposer à l'intérieur de mon moule à cake par-dessus ma pâte, sans enfoncer, hein, vraiment poser délicatement comme ça. Et je vais aller l'enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Alors, nous allons couper à cet endroit-là pour le gâteau. Tu coupes au milieu. Déjà, ouais. Est-ce qu'il est assez froid? Ouais, il est presque froid. Il est tiède. On va le faire. Ben voilà, il est cuit. C'est normal, c'est du fruit. C'est un peu la texture d'un flan. Ouais, c'est la texture d'un flan à peu près. Hein. Voilà, c'est pour la texture. En tout cas, un flan. Ça ressemble à un flan en tout cas. Ouais, ça ressemble à un flan à la banane. Hein. Eh ben, j'espère que cette petite vidéo de gâteau banana bread, c'est bien ça, hein, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager entre amis et en famille. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous et gros bisous à vous tous.